Suite aux attentats terroristes en Israël et à la riposte dans la bande de Gaza, France 2 va consacrer sa soirée du jeudi 19 octobre à une édition spéciale sur ces événements et leurs conséquences géopolitiques. En raison de l'actualité, France 2 a décidé de modifier en dernière minute sa programmation prévue pour la soirée du jeudi 19 octobre. À 20h35, Gabriel Attal sera reçu en direct par Caroline Roux dans l'événement L'Interview, juste après le journal de 20h d'Anne-Sophie Lapix. Le ministre de l'Éducation nationale devrait revenir longuement sur l'attaque terroriste qui a fait un mort, le professeur Dominique Bernard, et trois blessés dans le collège-lycée Gambetta Carnot d'Arras le vendredi 13 octobre. Ensuite, dès 21h10, une édition spéciale sera consacrée aux attentats terroristes en Israël et à la riposte dans la bande de Gaza. De fait, les pastilles de météo, climat et de basique seront supprimées ce soir-là. L'épisode d'Un si grand soleil est, lui, décalé au vendredi 20 octobre. Des programmations d'Un si grand soleil et de la soirée de France 2 le jeudi 18 octobre. Le 7 octobre dernier, une série d'attaques terroristes menées par le Hamas depuis la bande de Gaza a fait, pour l'heure, plus de 1300 victimes en Israël, dont 24 Français. La riposte menée par l'État hébreu a depuis entraîné le déplacement de nombreux Palestiniens et fait plus de 2200 morts. Devant la gravité de la situation, le service politique de France Télévisions propose une émission spéciale pour tenter de faire le point sur le conflit afin de mieux comprendre ses tenants et ses aboutissants. Tout au long de la soirée, de nombreux spécialistes du Moyen-Orient s'expriment sur le plateau pour éclairer cet événement géopolitique qui rebat les cartes de la dynamique enclenchée par les accords d'Abraham en 2020, détaille ainsi France 2 au sujet de cette soirée spéciale. Une émission consacrée à la langue française bientôt reprogrammée, initialement prévue en prime time, l'émission Le français dans tous ses états sera reprogrammée ultérieurement, annonce France 2. Elle devait coïncider avec l'inauguration, ce jeudi 19 octobre, de la Cité de la langue française de Villers-Cotterêts, Aisne, par Emmanuel Macron. En raison des obsèques de Dominique Bernard à laquelle il assistera le même jour, l'Élysée a donc demandé un report de l'ouverture. Le reste de la soirée sera inchangé, annonce France 2. À 23h, le numéro d'infrarouge, Les Beaux Parleurs, sera consacré au concours d'éloquence.